Bienvenue. Let's kneel down for a word of prayer. Agenouillons-nous pour la prière. Amen. Amen. So, it's a new day. Therefore, we have a new subject. Donc, c'est une nouvelle journée, donc nous avons un nouveau sujet. We concluded the subject of project management. Hier, nous avons conclu le sujet de la gestion de projet. At least a little I know about it. Du moins, le peu que je connais sur ce sujet. And today, project management took longer than I actually thought it would. Et en fin de compte, l'étude du sujet, l'étude sur le projet, gestion de projet a pris beaucoup plus de temps que je pensais. Donc, je commence un nouveau sujet qui ne sera pas fini durant ce camp meeting. Peut-être un autre camp meeting que ça va continuer. So if there are any questions during the presentation, you can just use the question answer box and then I'll come back. Alors, si vous avez des questions, veuillez les poser dans la boîte à questions et réponses. So the subject I would like to talk about tonight. Le sujet que j'aimerais parler ce soir. Is the subject of government and the glorious way. C'est le sujet du gouvernement et du pays glorieux. That being said, we dive in right away. Donc, cela a été dit, on y va directement. In Genesis 15, us is given a prophecy about the glorious land. Donc, dans Genèse... une promesse a été donnée au sujet du pays glorieux. This prophecy was that they would be in a land of a stranger for 4 generations or also 400 years. Donc, c'est-à-dire que les Israélites seront dans le pays durant 400 ans. We know that God's people are going to Egypt. Nous savons que le peuple de Dieu va en Égypte. And they, because of the famine in the land. En raison de la famine qui sévit dans le pays. And then they end up being slaves in that country. Et ils finissent par être des esclaves dans ce pays. So, during this captivity to Egypt. Donc il y a cette captivité en Égypte. But they received that promise that. What would happen to them? Donc, ils vont recevoir cette promesse et qu'est-ce qui va se passer? The promise in Genesis given is that after the 4th generation, they shall come out. Et la promesse est qu'après la quatrième génération, ils vont quitter le pays. And they would be given their own promised land. The glorious land. Et on va leur donner leur propre pays glorieux. So here we have bondage or captivity. Alors ici nous avons une captivité ou un esclavage. And the promise is that they will get out of this city. Et il leur est promis qu'ils vont partir. And they will enter or receive their own land. Et ils vont recevoir leur propre pays glorieux. The promised land. I hope everyone can read that. Et je pense que tout le monde peut le lire là. Maybe I'll put it in the middle. Sorry. That light's. Okay. So we know. And because of time, normally I would take time to go through all the Bible verses.
Et normalement, j'aurais pris le temps de prendre les versets bibliques. I think we have been and we're starting a bad habit. Je pense que nous avons eu et nous continuons à avoir une mauvaise habitude. That time is so short that we are not actually working through Bible verses and quotes as we should. Que nous ne travaillons pas à travers les versets bibliques et les citations comme nous le devons. And we're just referencing it and we move on with our logic. Et on donne juste la référence et on avance dans notre logique. I'm sorry, we're partially going to do that tonight as well. Et je suis désolée, mais ce soir, je vais faire cela aussi en partie. So the prophecy is given, God's people will go into captivity. Donc la prophétie est donnée, le peuple de Dieu ira en captivité. They will be slaves in Egypt. Ils seront donc des esclaves en Égypte. But the promise is that they will come out and they will receive their promised land. Et c'est ils vont sortir de la captivité et recevoir leur pays promis. It's a land described where milk and honey is flowing. C'est un pays qui est décrit comme coulant le lait et le miel. And Ezekiel describes it as the glory of all lands. Et Ézéchiel le décrit comme la gloire de tous les pays. Et je pense que nous connaissons tous la réponse. What happens to God's people before they enter the glorious land? Que s'est-il passé au peuple de Dieu avant qu'il n'entre dans le pays glorieux? You can answer to me in the chat. Vous pouvez répondre dans la conversation. Someone says apostasy, yes. Quelqu'un a dit apostasie. Un autre mot? Idolatry, I'm still looking for another. Idolatrie, j'en attends un autre. Rebellion, that's the one I was looking for. Rébellion, c'est celui-ci que j'espérais. So right before the promised land, juste avant le pays glorieux, le pays promis, we're having rebellion. Nous avons une rébellion. And what is this rebellion causing? Et qu'est-ce que provoque cette rébellion? So God's people come out of Egypt, they would have taken only a short period of time to come to the actual promised land. Donc alors Dieu les fait sortir du pays d'Égypte et ça prendrait quelque temps pour qu'ils entrent dans le pays promis. But because of their rebellion, what happens? Mais en raison de leur rébellion, qu'est-ce qui se passe? Someone says a delay. Yes. Quelqu'un dit un retard, oui. They have to wander in the wilderness for 40 years. Ils doivent errer 40 ans dans le désert. Before they actually can enter the promised land. Avant qu'ils ne puissent entrer dans le pays glorieux. And at this point, let us remember why did they rebel? Et à ce point-là, essayons de nous rappeler la raison pour laquelle ils se rebellent. What was part of the rebellion? What caused it? Qu'est-ce qui a provoqué la rébellion? Someone says flesh. Quelqu'un a dit la chair. Not waiting for the leader. Ils n'attendent pas le dirigeant. Ils n'attendent pas leur dirigeant. If you remember, the rebellion I'm speaking about is not the rebellion or the failure we see when the Ten Commandments were given. Rappelez-vous, la rébellion dont je fais mention, là, ce n'est pas celle lors ce que les 10 commandements ont été donnés. What was actually the rebellion which caused Israel having to wander 40 more years?
in the wilderness. Quelle est donc cette rébellion qui a fait que Israël a erré 40 ans dans le désert? They were at the idolatry, rejecting the message. Ils étaient dans l'idolâtrie, ils ont rejeté le message. So let's remind us. Alors, rappelons-nous. God's people are at the border of the promised land. Alors, le peuple de Dieu est à la frontière du pays glorieux. Yeah, I'm seeing people are starting to get it. And 12 spies are sent into the promised land to check it out. Et 12 espions sont envoyés dans le pays glorieux pour l'investiguer. And they're coming back with what kind of message? Et ils reviennent avec quel type de message? The land is good. Le pays est bon. But. Mais. And then you had two groups forming. Et après, vous avez deux groupes qui sont formés. One group said, this but is too big. We can't avoid it. We cannot take the promised land. Et un groupe dit que les habitants sont trop grands ou le pays est trop grand, on ne peut pas s'en accaparer. And the other group said, yes, the land is good. We know that. Everyone agrees. Et un autre groupe dit, oui, le pays est bon, nous le savons. But we can still do it. We can still make it. Mais on peut le faire, on peut y arriver. So the problem back then of the people was the following. Mais le problème là pour les gens, c'était ce qui suit. The promised land was not as they thought it would be. Le pays promis n'était pas comme ils le pensaient. They didn't expect, or they hadn't expected the but. Ils ne s'étaient pas attendus au mais. And this is what caused the rebellion. C'est ça qui a provoqué la rébellion. They didn't want to enter the glorious land because it was not as they thought it would be. Ils n'ont pas voulu entrer dans le pays glorieux parce qu'il n'était pas tel qu'ils l'avaient imaginé. And one side or one group turned away and yeah, one group turned away. Et un groupe s'est détourné. And the other group said, "Yes, we didn't think it would be that way, but we can still make it." Oui, un autre groupe dit c'est vrai, nous n'avons pas pensé que ça serait de cette façon, mais nous pouvons toujours y arriver. So, and the interesting thing is, et la chose intéressante, c'est que I'm getting too ahead of me myself. So this is the point we're seeing constantly. It's also the point we're having today. C'est le point que nous voyons constamment et c'est le point que nous avons aujourd'hui. Just like Christ's disciples had it. Tout comme les disciples de Christ l'ont dit. We often think about how God's kingdom or the promised land should be. On réfléchit toujours à comment sera le royaume de Dieu. But we're seeing constantly in the Bible that things come differently than we thought. Et dans la Bible, nous voyons souvent que les choses arrivent d'une façon différente que ce que nous avons pensé. And this little failure of the people back then caused them to wander 40 years in the wilderness. Et cet petit échec là a fait que le peuple a erré 40 ans dans le désert. Should make us think twice when we considered the same question we're facing in this movement. Et cela nous fait réfléchir à deux fois lorsqu'on considère la même question que nous à laquelle nous sommes confrontés dans le where we are asked to enter the glorious land, but it's not as we first thought it was or would be. Nous sommes proches d'entrer dans le pays glorieux, mais ce n'est pas du tout tel que nous l'avons pensé, imaginé. And the question is if we still will take it, if we still obtain it.
Et la question est, est-ce qu'on va toujours l'obtenir? We're seeing how many people are saying that they don't want to enter into the glorious land. Et nous voyons que beaucoup de personnes disent que nous ne voulons pas entrer dans le pays glorieux. So let's open the Bible. Alors, ouvrons notre Bible. Deuteronomy 31, verses 16 to 21. Alors, Deutéronome 31, 16 à 21. Deutéronomy 31, verses 16 to 21. Deutéronome 31, 16 à 21, le son n'est pas très bon, donc j'ai beaucoup de difficultés. Moses already predicts the failure of God's people. Alors, j'ai trouvé ça intéressant que Moïse avait déjà prédit l'échec du peuple de Dieu. Our question is, was this promised land a success or a failure? Alors, d'où ma question, est-ce que ce pays promis est un succès ou un échec? Moses will tell us that this promised land will fail. Moïse nous dira que ce pays promis va échouer. So Deuteronomy chapter 31 verses 16 to 21. Deutéronome 31 16 à 21. Myself in the wrong chapter. Je suis dans le mauvais chapitre. And the Lord said unto Moses, Behold, thou shalt sleep with thy fathers, and this people will rise up and go whoring after the gods of the strangers of the land, whither they go to be among them, and will forsake me, and break my covenant, which I have made with them. Verset 16, et le Seigneur dit à Moïse, voici, tu vas dormir avec tes pères, et ce peuple se lèvera. Il se prostituera après les dieux des étrangers du pays où il va, pour être parmi eux, et il m'abandonnera, et rompra mon alliance que j'ai faite avec lui. So we're seeing already here that it's foretold that God's people will break the covenant with God. Alors ici, il a été prédit déjà que le peuple de Dieu va briser l'alliance avec Dieu. Then my anger shall be kindled against them in that day, and I will forsake them, and I will hide my face from them, and they shall be devoured, and many evils and troubles shall befall them. So they will say in that day, Are not these evils come upon us because our God is not among us? Alors, Deutéronome 31, 17, « Maintenant, alors mon courroux s'enflammera contre lui en ce jour-là, et je les abandonnerai, et je cacherai d'eux ma face, et ils seront dévorés, et beaucoup de maux et de détresse leur arriveront, si bien qu'ils diront ce jour-là, n'est-ce pas parce que notre Dieu n'est plus au milieu de nous que ces maux tombent sur nous? » Let's continue to verse 20. Alors, « When I shall have brought them into the land which I swear unto their fathers, that floweth with milk and honey, and they shall have eaten and filled themselves and waxen fat, they will turn unto other gods and serve them and provoke me and break my covenant. Verset 20, car lorsque je les aurai amenés dans la terre où coule le lait et le miel, laquelle j'essuierai à leur père, et ils mangeront, et ils seront rassasés et engraissés, puis ils se tourneront vers d'autres dieux, et ils les serviront et m'irriteront et rompront mon alliance. So the point I want to make here is that this promised land God provided for ancient Israel is a line of failure. Et là, ce que je veux vous montrer, c'est que le pays promis que Dieu a promis aux enfants d'Israël est une ligne d'échec. So it's failure. This is just the introduction to the subject, by the way. C'est juste l'introduction au sujet. We know that we have the ancient glorious land, and that's the way how I will call it now. Et nous savons que nous avons l'ancien pays glorieux, c'est de cette façon que la Bible le nomme. And that project of God failed.
Et ce projet de Dieu a échoué. How do we know that it failed? Comment savons-nous qu'il a échoué? We have to look at what was the original intent for God to create the promised land. Quelle était donc la tentative de Dieu pour créer donc le pays glorieux? And this, the Jewish nation did not keep. Et donc, et c'est ce que la nation juive n'a pas conservé. Either they went to idolatry. Alors, soit ils sont allés dans l'idolâtrie. They turned to other gods. Se sont tournés vers d'autres dieux. Or then they shut themselves in. Ou ils se sont enfermés sur eux, repliés sur eux, on va dire. And they never fulfilled their job function. Et n'ont jamais rempli leur mission. As someone is saying, to be a light unto the world. Quelqu'un dit d'être une lumière au monde. That's why I can say in the study, the ancient glorious land failed. Et c'est la raison pour laquelle je dis dans cette étude que l'Israël ancien a échoué. And what does God give next? Et après, qu'est-ce que Dieu a donné? Does he give another glorious land? Est-ce qu'il a donné un autre pays glorieux? Does God give another glorious land after this one failed? Est-ce que Dieu a donné un autre pays glorieux après que celui-ci ait échoué? Because we know, latest at 70 after Christ, Jerusalem was destroyed. Parce que nous savons que après Jérusalem a été détruit après Christ. And since that moment onward, the Jewish nation was just scattered among the world. Et à partir de ce moment-là, la nation juive a été dispersée parmi les nations du monde. And what does God do now? Et qu'est-ce que Dieu va faire maintenant? Is he going to give up on the project having a promised land for his people? Est-ce qu'il va abandonner son projet de donner à son peuple un pays promis? No. Non. I'll move this on over here again. There is another glorious land in Bible prophecy. Il y a un autre pays glorieux dans la prophétie biblique. And what is this glorious land? Et quel est donc ce pays glorieux? Yes. It's the United States. C'est les États-Unis. So, a captivity. Donc nous avons la captivité. And then we see USA being the promised land. Et là, nous voyons que les États-Unis sont devenus le pays glorieux. And what is this captivity? Et quelle est donc cette captivité? Europe? Or let's take a time span. Alors, donnons une durée de temps. It's the 1260. C'est les 1260. God is wanting to take his people out and he's bringing them into the glorious land. Alors Dieu veut sortir son peuple de cette période et il veut les introduire dans le pays glorieux. But now, question, is this a project of success or failure? Est-ce un projet de succès ou d'échec? What do you think? Alors, que pensez-vous? It's also a failure. Why? C'est aussi un échec, mais pourquoi? Why is the United States, the modern promised land, a line of failure? Alors, pourquoi les États-Unis, le pays promis moderne, est une ligne d'échec? Slavery? L'esclavage? They were not ready. Slavery was not excluded from the system. L'esclavage n'avait pas été exclu du système.
compromise. Les compromis. I like compromise, but it's not quite there. J'aime bien l'idée du compromis. So, when we talk about slavery, I want to make this point clear. Alors, quand vous parlez d'esclavage, j'aimerais rendre ce point clair. I know in the beginning, the founding fathers, it would have been good if they would have excluded slavery right away. Et je sais que les pères fondateurs, ça aurait été une bonne chose s'ils avaient enlevé l'esclavage dès le début. But we know from Great Controversy, page 440 to 442. Nous savons de la Grande Controverse, la page 440 à 42 en anglais. That America is what? Que l'Amérique, c'est quoi? It's a plant. C'est une plante qui grandit. So, America. Donc la tragédie des siècles 477. Donc elle grandit, l'Amérique grandit dans son rôle d'être le pays glorieux. Tragédie des siècles 477. I'm suggesting that slavery was just a portion of this process of America actually growing as being the promised land. Et je pense que là, c'est un processus pour l'Amérique d'être et de devenir le pays glorieux. So I don't think that slavery is actually connected to why the United States will be a line of failure. Mais je ne pense pas que cette pensée est reliée avec la raison pour laquelle les États-Unis seraient une ligne d'échec. Someone says conservatism. Quelqu'un dit le conservatisme. So I like your ideas because it shows me that you've been keeping up with the messages. Et j'aime cette idée parce que cela me montre que vous avez suivi l'évolution du message. For this study we're doing tonight, I'm suggesting the following. Pour l'étude que nous faisons ce soir, je suggère ce qui suit. In order to know that this promised land is a failure, afin de savoir si ce pays promis est un échec, we need to first know what was the original intent for this promised land to be. Il nous faut savoir quel était donc l'objectif originel de ce pays glorieux. As already stated, comme nous l'avons déjà dit, we know that the Jewish nation were not the light to the world as they should have been. Comme nous l'avons déjà dit, nous savons que la nation juive n'a pas été la lumière pour le monde comme elle aurait dû être. So let's apply the same principle to this modern promised land. Alors, appliquons ce même principe pour ce pays promis moderne. In order for us to know how the United States will fail, afin que nous puissions savoir de quelle façon les États-Unis vont échouer, we need to understand what was God's original intent for this country. Il nous faut comprendre quelle était l'intention d'origine de Dieu pour ce pays. What was the original intent for the United States so that it might be a promised land? Quelle était donc l'intention d'origine pour les États-Unis pour qu'ils deviennent un pays glorieux? Does someone know and want to share what they think? Est-ce que quelqu'un sait et pourrait partager ce qu'il pense? I'll give a little hint. It's again Great Controversy, 440 to 402. Et là encore, je vous donne un indice à ce qui se trouve dans la tragédie des siècles. 442. So someone says liberty. Quelqu'un dit la liberté. Freedom from oppression. Libéré de l'oppression. It summarizes it in two words. Alors, in two principles. Résumez cela en deux mots, en deux principes. Pro-
Protestantism, republicanism. I was waiting for that one. Alors, protestantisme et républicanisme. The republicanism plus Protestantism. Le républicanisme et le protestantisme. Is the original intent for the United States. C'était l'intention d'origine pour les États-Unis. The separation of church and state. La séparation de l'Église et de l'État. Human rights. Les droits des hommes. As well as the self-government of the people. Le gouvernement du peuple. Now we have a checklist where we can see how America is a line of failure. Et maintenant, nous avons une liste qui nous permet de contrôler et de voir pourquoi les États-Unis sont une ligne d'échec. We know that in America, church and state are uniting. Et nous savons qu'aux États-Unis, l'Église et l'État sont unis. We know that human rights are being undermined. Et nous savons que les droits des hommes ont été réduits, diminués. And we know that a modern dictatorship is being set up. Et nous savons qu'une dictature moderne est mise en place. So therefore we know and can check that America is actually a failed promised land. Et ainsi nous pouvons savoir que l'Amérique c'est un pays glorieux voué à l'échec. Because it doesn't follow up with its original content. Parce que il ne suit pas son intention d'origine. So what is... Ah, j'ai pas entendu. We know it from other parts of our message. Et nous savons grâce à d'autres parties de notre message. We have what principle? Quel principe nous avons? We have the principle of triple application. Nous avons le principe de la triple application si nous sommes familiers avec. So in the past, Elder Tess has been using this one. Et dans le passé, l'Ancien Test a utilisé celle-ci. And she said we have failure, and then we have success. Elle nous a dit qu'on a échec, et ensuite nous avons le succès. She's been using that in some of her studies. Et elle l'a utilisé dans certaines de ses études. And I think it fits to when we look at the promised land. Et je crois que ça s'adapte quand nous regardons Pays Promis. Triple application of prophecy. La triple application de la prophétie. Failure. Échec. Another attempt, again failure. Une nouvelle tentative et de nouveau là c'est l'échec. Therefore, we know we have a third promised land. Et par conséquent, nous savons que nous avons un troisième pays promis. God's people are again in captivity. Le peuple de Dieu se trouve de nouveau en captivité. The promise is that they will come out and they will enter into the glorious land. Le pays, la promesse c'est qu'ils vont sortir de cette captivité pour entrer But dans le pays glorieux. But this time it's not failure, now it is what? Cette fois-ci, ce n'est pas de l'échec, mais qu'est-ce que c'est? This time, it's success. Cette fois-ci, c'est le succès. And what would be this, what would this third line be? Je n'ai pas entendu. What is the captivity we have to come out from? De quelle captivité nous faut-il sortir? My suggestion is that the captivity we are in is the condition of Laodicea. Et je suggère que la condition dans laquelle nous sommes, c'est la condition de Laodicea, et c'est dans celle-ci qu'il nous faut sortir. Someone says 126, the darkness. Quelqu'un Laodicea, dit, yes, someone... 126, les ténèbres.
So I think and suggest that we are to come out of Laodicean condition. Donc je suggère que nous devons sortir de la condition laodicéenne. And we are to enter the promised land. And what is the promised land? Et nous devons entrer dans le pays promis. Et quel est donc ce pays promis? God's kingdom, Ephesus. Le royaume de Dieu, Éphèse. How do I enter that kingdom? Et comment je rentre dans ce royaume? It's through baptism. Et c'est à travers le baptême. Ellen White is clear when she says when you get baptized, you enter the kingdom of God. Ellen White est claire, elle nous dit que quand nous sommes baptisés, nous entrons dans le royaume de Dieu. We know that we are already familiar with the situation of the switch of from Laodicea to Ephesus. Et nous sommes déjà familiers avec cette transition de Laodicée à Éphèse. We know that Ephesus is the church which will triumph. Et nous savons que Éphèse, c'est l'église qui va triompher. So we know here that this promised land is successful. Donc nous savons que ce promis, pays promis, il est rempli de succès. For the next step, I do not know the answer. I have some thoughts, but I don't know generally the answer. Donc, pour l'étape prochaine, je n'ai pas vraiment la réponse. J'ai des pensées, mais je n'ai pas la réponse vraiment. But in order for us to know that this line or this is success, mais afin que nous puissions savoir que cette ligne est une ligne de succès, we need to apply the same principle as here. Il nous faut appliquer le même principe que celui d'ici. We need to have a checklist in order to know why this is success. Il nous faut avoir une liste de contrôle pour savoir la raison pour laquelle cette ligne est une ligne de succès. Because normally we could say, yeah, it's successful because God has said so. Et on peut dire oui, elle est une ligne de succès parce que Dieu l'a déclaré. This could be enough. This could be enough. Ça pourrait être suffisant. But we're in the movement that we always have to dig deeper and explain things. Mais en tant que mouvement, il nous faut creuser plus afin d'expliquer les choses. So for me, the suggestion is that we need to explain why Ephesus or why our line is successful. Et pour moi, il nous faut expliquer la raison pour laquelle Éphèse, notre ligne, est une ligne de succès. And in order to know that, we need to know the original intent. What did God originally intend with this church? Et pour savoir cela, il nous faut trouver l'intention d'origine. Quelle était l'intention d'origine pour Dieu, pour cette église? And this is now where I don't know the full answer. Et c'est là que je ne connais pas toute la réponse. All I know is that we need to understand what is God's will and desire for this church, the church triumphal. Et il nous faut savoir quel est le désir de Dieu pour cette église triomphante. And I think restoration is a big part of that. Et je pense que la restauration fait partie de cela un peu. Restoration and equality. La restauration et l'égalité. Okay, let's move on. I lost track of time. Time is flying. So, my next point would have been, what is the purpose of the glorious land? Donc, mon autre point serait, quel est le but du pays glorieux? I got a little bit ahead of myself. Mais je suis allée un peu plus vite. So we know in the ancient glorious land. Nous savons que l'ancien pays glorieux. Why did God call his people out of Egypt?
Pourquoi Dieu a appelé ces personnes hors d'Égypte? When we read the Bible verses, which we won't do now, et quand nous lisons les versets bibliques, ce que nous ne ferons pas là, it constantly says so that God's people could serve him. Et là, c'est des personnes qui peuvent servir Dieu. So, Ellen White comments on that situation. Alors, Ellen White commente sur cette situation. And she comes to the point where she says that God's people no longer kept the Sabbath. Et elle arrive à un point où elle dit que and they le peuple de Dieu ne gardait pas le sabbat. Means they were not worshiping God any longer. Ils avaient perdu la compréhension du sabbat ou de vue du sabbat, donc ils ne n'adoraient pas Dieu durant le sabbat. And God wanted to restore that worship from his people. Et Dieu voulait donc restaurer cette adoration au sein de son peuple. The problem is that by that time God's people were not any longer able to worship him in this country. Et donc là, le problème, c'est qu'à ce moment-là, le peuple de Dieu ne pouvait plus adorer Dieu dans ce pays. Je devine un peu le sentiment qu'il avait pour moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? The right of free worship was taken. Le droit d'une liberté de conscience a été pris. And in Patriarchs and Prophets, Ellen White comments. Et dans Patriarches et Prophètes, Ellen White commente. And says that Pharaoh wanted to crush out their independent spirit. Et elle nous dit que Pharaon voulait donc écraser cet esprit indépendant de Pharaon. Hein, il voulait écraser cet esprit indépendant. God's people were an independent spirit. They wanted to do what they Alors, les enfants d'Israël étaient des esprits libres, indépendants, et ils voulaient faire ce qui leur semblait bon. But Pharaoh didn't let them. Mais Pharaon ne leur a pas permis. And therefore God wanted to take them out. Et ainsi Dieu a voulu les faire sortir de là. Same happened here in the 1260, people who had no freedom of conscience. Ça s'est passé aussi dans la période des 1260 où les gens n'avaient pas cette liberté de conscience. Here, people were allowed to in the United States. Mais là, aux États-Unis, les personnes, cela leur a été permis. But we know that soon, not any longer, we will have this right of freedom of conscience on this earth. Et nous savons que bientôt, nous n'aurons plus ce droit de liberté de conscience sur la terre. The only way out is to be part of the church triumphant where there is freedom of conscience to worship also God. Et notre voie de sortie, c'est de faire partie de l'église triomphante où il y a cette liberté de conscience afin que nous puissions adorer notre Dieu. So the purpose of the glorious land is often that God's people have the freedom to worship God in the correct manner. Et souvent, donc, le pays glorieux, c'est un moyen que Dieu met en place pour que son peuple puisse avoir cette liberté de conscience et l'adorer hein, d'une bonne façon. Something I forgot, which I thought is interesting, it's just a side point. Et il y a quelque chose que j'ai oublié, et je pense que c'est intéressant, c'est un point secondaire. When you compare these two, quand nous avons comparé ces deux lignes, we see God's people come out of the captivity, they come to the promised land. Nous voyons le peuple de Dieu qui sort de la captivité pour entrer après dans le pays glorieux. And I'm not sure if we talked about it yesterday, but what were they to do in the promised land? Et je ne suis pas sûre si nous l'avons abordé hier, mais qu'est-ce qu'ils devaient faire dans le pays promis? What were they to do with the people who lived there? Qu'est-ce qu'ils devaient faire aux personnes qui vivaient là-bas? Destroy them, yes. Kill them all. Ils devaient tous les tuer, les détruire.
They were not worth anything. Ils ne devaient rien laisser. A Jewish nation or a Jewish life was more worth than the life of a heathen. Et la vie juive comptait plus que la vie d'un païen. So this is where you actually see the subject of nationalism. Et c'est là que nous voyons le sujet du nationalisme. But I find it interesting when you look at this line. Mais j'ai trouvé cela intéressant lorsque nous regardons à cette ligne. What happens to America when they come out of the captivity? Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis lorsqu'ils sont sortis de cette captivité? What happens in the 1830s and the 1840s? Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 40? Someone is commenting, this is why people justify native people's genocide. Et c'est là que les personnes ont justifié les génocides des personnes natives. That's exactly my point I wanted to bring across. Et c'était vraiment le point que je voulais présenter. The early settlements knew that they, I say now, that they were the glorious land. Alors, ils savaient qu'ils faisaient partie, qu'ils étaient le pays glorieux. Paralleling them with the ancient glorious land, they thought it's their right to kill everyone in that land, because now it was their own land. Et donc, et quand ils sont arrivés, ils ont cru que c'était leur droit de tuer tous les habitants du pays glorieux parce que c'est ce pays leur appartenait. But their life is more worth than the lives of a different or another nation. Alors, mais leur vie était différente des autres nations. Donc, c'était les Indiens qui vivaient sur le territoire. Time has passed, and not much of that sentiment in America has changed. Et pourtant, le temps a évolué et ce sentiment n'a pas disparu. In fact, the push aux États-Unis. Now in America with the evangelicals, we see the same sentiment still. Et au sein de la population évangélique, on voit le même sentiment. America is a chosen land. L'Amérique, c'est le pays choisi. And it has its inhabitants have special rights superior to the ones around them. Et les habitants ont des droits supérieurs aux habitants qui se trouvent autour d'eux. White supremacy, as someone is suggesting. Alors, quelqu'un a suggéré la suprématie blanche. I want to go a step further. Et j'aimerais qu'on It's avance. Ah, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. But it's also something about that you're an American. Mais c'est aussi quelque chose en tant que pour vous, Américain. When we look at when we examine more of the evangelicals, their ideology and their perspective of the Bible. Et lorsqu'on examine plus les évangéliques, leurs idées, leur idéologie, leur perspective au sujet de la Bible. For them, they actually can take the Bible and have a thus saith the Lord to parallel or to make look good. Make their action look good. Sorry donc, about that. Ils peuvent prendre donc la Bible, un ainsi a dit le Seigneur, pour montrer, justifier leurs bonnes actions, que les actions, leurs actions just bonnes, sont bonnes. Ancient Israel has done. Et pour justifier en disant que c'est ce que l'Israël ancien a fait This aussi. This is the trap where we don't understand methodology, dispensations, and how it works. Et là, c'est un piège dans lequel nous pouvons tomber si nous ne comprenons pas la méthodologie, les dispensations. OK, let's read a quote in the remaining minutes we have. Alors, dans les quelques minutes qui nous restent, lisons une citation. Alors, on l'a reçu.
its early writings, page 145, paragraph 1 and 2. Alors, ses premiers écrits, 145, c'est la même pagination en français. Page 145, paragraph 1 and 2. Vous pouvez le mettre dans le LGC Forum. I said the study is about the glorious land and government. Alors, ça parle du pays glorieux et du gouvernement. Premiers écrits, la page 145, this, un paragraphe 2, en anglais. To the beginning. Il nous faut donc, il aurait fallu qu'on aille au début. Hein. So let's read this quote. Alors, lisons cette citation. C'est la même pagination, 145.2. Satan was once an honored angel in heaven next to Christ. Alors, Satan était autrefois un ange honoré dans le ciel à côté de Christ. His countenance, like those of the other angels, was mild and expressive of happiness. Et donc, son visage, comme celui des autres anges, était doux et expressif du bonheur. His forehead was high and broad, showing great intelligence. Alors, son front était haut et large, montrant une grande intelligence. His form was perfect, his bearing noble and majestic. Sa forme était parfaite, sa posture noble et majestueuse. But when God said to his son, "Let us make man in our image," Satan was jealous of Jesus. Mais lorsque Dieu a dit à son fils, "Faisons l'homme à notre image," Satan a été jaloux de Jésus. He wished to be consulted concerning the formation of man, and because he was not, he was filled with envy, jealousy, and hatred. Il souhaitait être consulté sur la formation de l'homme et parce qu'il ne l'était pas, sur la création de l'homme et parce qu'il ne l'était pas, il était rempli d'envie, he desired to receive the de jalousie et de haine. Next to God. Il désirait recevoir les honneurs les plus élevés dans le ciel à côté de Dieu. And now it gets interesting. Et c'est là où ça devient intéressant. Until this time, all heaven had been in order, harmony, and perfect subjection to the government of God. Jusqu'à ce jour, tout le ciel était en ordre, en harmonie et parfaitement soumis au gouvernement de Dieu. It was the highest sin to rebel against his order and will. C'était donc un péché grand que de se rebeller contre son ordre et sa volonté. Tout le ciel semblait être en émoi. The angels were marshaled in companies, each division with a higher commanding angel at his head. Et les anges étaient rassemblés en compagnie, chaque division ayant à sa tête un ange commandant supérieur. Satan, ambitious to exalt himself and unwilling to submit to the authority of Jesus, was insinuating against the government of God. Alors Satan, ambitieux de s'exalter et peu disposé à se soumettre à l'autorité de Jésus, insinuait contre le gouvernement de Dieu. Some of the angels sympathized with Satan in his rebellion, and others strongly contended for the honor and wisdom of God in giving authority to his son. Alors, certains des anges sympathisaient avec Satan dans sa rébellion et d'autres se battaient avec acharnement pour l'honneur et la sagesse de Dieu en donnant l'autorité à son fils. So let's summarize what we've understood so far. Résumons ce que nous avons compris jusqu'à présent. In heaven, there's perfect order. Alors, dans le ciel, il y a un ordre parfait. God wants to start a new project. Alors Dieu veut commencer un nouveau projet. In a project, you will have management, let's say it that way. Everyone has a job function. Alors dans le projet, vous aurez un management. Tout le monde a sa mission. God wants to enact his project management. Alors Dieu veut mettre en place son projet.
which is also his form of government, let's say it that way. He wants to exercise his government. Il veut exercer son gouvernement, disons-le comme cela. But through this new project, two groups are being formed. Mais à travers ces deux projets, deux groupes ont été formés. Why? Because Satan was unhappy about this new project and the way how it should be realized. Pourquoi? Parce que Satan n'est pas ravi de ce nouveau projet et de la façon dont il est mis en place, il est réalisé. So he's starting to rebel. Alors, il a commencé à se rébeller. What is he rebelling against? Il se rebelle contre quoi? Government, the government of God. Le gouvernement de Dieu. We could also call it organization. Nous pouvons aussi l'appeler l'organisation. Some of the angels, there was a contention among angels, among the angels. Alors, il y avait, on Satan va dire... Satan and his sympathizers were striving to reform the government of God. Il y avait une dispute, et Satan et ses sympathisants s'efforçaient de réformer le gouvernement de Dieu. Une dispute parmi les anges. And a quick note. Et une note rapide. Doesn't it sound like there's an establishment? Alors, est-ce que... bref, il y a une institution là en place. And then the populace comes and wants to start a revolution. Et les populistes arrivent et ils veulent donc commencer une révolution. Est-ce que cela vous semble God juste? God has started a government, which is the established government. Alors Dieu a établi son gouvernement qui est donc l'institution en place. Satan is unhappy with the establishment, and what does he do? Satan n'est pas content avec l'établissement, l'institution en place, et que fait-il? He's striving to reform the government of God, which is a revolution. Il lutte donc pour changer le gouvernement de Dieu, ce qui est une révolution. There is nothing new under the sun. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Great controversy follows the same steps as revolutions you see here on earth. Alors la grande controverse, ça suit les mêmes étapes que ce que nous voyons ici sur terre. Let's continue. Alors on continue. They wish to look into his unsearchable wisdom and ascertain his purpose in exalting Jesus and endowing him with such unlimited power and command. Sorry. Je vois pas, si. They rebelled against the authority of the Son. Ah voilà, il voulait examiner son insondable sagesse et déterminer son but en exaltant Jésus, en le dotant d'un pouvoir commandement aussi illimité. Ils se sont rebellés contre l'autorité du Fils. Toute l'armée céleste a été convoquée pour comparaître devant le Père, afin que chaque cas soit décidé. It was there determined that Satan should be expelled from heaven with all the angels who joined him in the rebellion. Alors, il a été décidé que Satan devait être expulsé du ciel avec tous les anges qu'il avait rejoints dans la rébellion. Then there was war in heaven. Puis il y eut la guerre dans le ciel. Angels were engaged in battle. Satan wished to conquer the Son of God, those who were submissive to his will. Alors, puis la guerre dans le ciel, les anges étaient engagés dans la bataille. Satan souhaitait conquérir le Fils de Dieu et ceux qui étaient soumis à sa volonté. God and true angels prevailed, and Satan with his followers was driven from heaven. Mais les bons et les vrais et les bons et les anges fidèles l'emportèrent et Satan avec ses disciples furent chassés du ciel. 1 Corinthiens 145:1-2. From this situation, here, from Alors, this quote. Qu'avons-nous appris de cette situation, de cette How did the great controversy start?
Alors, de cette citation, alors comment a commencé la grande controverse? Rebellion, revolution, any other thoughts? Rébellion, révolution, d'autres pensées? Organization. Okay, a lot of saying organization. Organisation. I agree with everyone. How about we say what type of government is the correct one? Alors, quel type de gouvernement est le bon? What type of government? What we're seeing in the great controversies are two different types of government which are fighting with, which are competing with each other, which one is the best? Alors, deux types de gouvernements qui sont en concurrence, donc lequel est le meilleur? So, interesting is that someone says here, God is equals monarchy and Satan equals tyranny, if I can read it correctly. Alors une pensée d'une personne, c'est que Dieu, c'est la monarchie et Satan, la tyrannie. My question is this correct? Ma question est-ce que c'est juste? Does God want the monarchy? And what does Satan want? Does he want tyranny? Et l'autre, Satan, qu'est-ce qu'il veut? La tyrannie? What is Satan's attempt? Quelle est donc la tentative de Satan? So my suggestion is that God is a theocracy. We could also call it a monarchy. Alors, Dieu, c'est la théocratie. Doesn't Satan want the same? Isaiah 14, I think it is. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire, Satan? What does Satan strive to be? Qu'est-ce qu'il essaye d'être, Satan? Il se force à être. He wants to be at the same place as God is. Il veut être à la même place que celle de Dieu. So I'm suggesting that God has a theocracy. Donc Satan wants a theocracy. Donc je suggère que Dieu a une théocratie et Satan, lui, veut la même chose. But this will be a false theocracy or a polluted one. Mais ce serait donc une fausse théocratie ou une qui est polluée. Satan is going to imitate God. Il va essayer d'imiter Dieu. This is the subject of the great controversy. This is its beginning. Et c'est le sujet de la grande controverse, c'est son commencement même. What type of government is the correct one? Quel est donc le type de gouvernement qui est le bon? So we know that the great controversy in heaven came to an end. Et nous savons que la grande controverse au ciel est arrivée à sa fin. Every case was decided, as we just read. Tous les cas ont été décidés, comme nous venons de le lire. So then the great controversy came on this earth. Alors, la grande controverse est arrivée sur cette terre. And we're now fighting a proxy war. Et maintenant, nous sommes en train de nous battre contre une guerre de procuration. Over the subject of what is the right type of government. Donc le sujet, c'est quel est le bon type de gouvernement. What is the correct form of organization or leadership? Quelle est donc la première organisation de dirigeants? And through the history of this earth, we can trace the subject of government. Et avec le sujet on peut tracer le sujet du gouvernement dans l'histoire de la Terre. God first tried to establish a theocracy here on this earth. Et donc, Dieu a essayé d'établir ici une théocratie sur cette Terre. What has Satan tried to establish here on this earth? This will be subject for tomorrow.
Et ça sera le sujet de demain, mais qu'est-ce que Satan lui a essayé d'établir sur also, cette Satan has tried to establish theocracies here on this earth. Et Satan a essayé d'établir sur cette terre la théocratie. But Christ comes to this earth and he's going to end the project theocracy on this earth and will choose a different type of government. Et donc, il va venir sur cette terre pour mettre son idée de gouvernement théocratique sur cette terre et qu'on va choisir. So you can trace through Earth's history the government forms Christ is, God is choosing and how Satan is trying to imitate or counter that. Donc, en fin de compte, Dieu, il essaye de mettre en place quelque chose et Satan, il veut le contrefaire ou l'imiter. So as I said, the big study, this was actually just an introduction to the study. Donc comme je vous ai dit, c'est une grande étude et là ce n'est que l'introduction. We're not going to finish the subject at this camp meeting. Nous ne finirons pas ce sujet dans ce camp meeting. But tomorrow in the last presentation, mais aujourd'hui, mais demain dans ma dernière présentation, we'll start to look at the governments of this earth. And what God chooses. Nous allons commencer à regarder au gouvernement de cette terre et ce que Dieu a choisi. And the first thing we're going to look at is the origin of a state. Et ce qu'on va regarder, c'est l'origine de l'État. So I hope you enjoyed the time together. J'espère que vous avez apprécié le temps passé ensemble. And for us here, it's already happy Sabbath to everyone. Ici, c'est déjà le sabbat, donc bon sabbat à tout le monde. And let's kneel down for a word of prayer. Et agenouillons-nous pour la prière. Dear Father in heaven, we thank you for this day. Père Céleste, nous te remercions pour cette journée. We thank you that we can be part of this church triumphal, this successful church. Nous te prions et te remercions que nous puissions faire partie de cette église triomphante, cette église remplie Lord, de succès. We know that the great controversy is coming soon to its end. Et nous savons que bientôt la grande controverse se terminera. Help us to understand what your purpose is for us as church. Et aide-nous à comprendre quel est ton but pour nous en tant qu'église. But also for us, everyone individually. Mais aussi pour chaque personne individuellement. Show us where we still have to improve. Et montre-nous où il nous faut encore nous améliorer. Help us to improve ourselves and put this into action. Et aide-nous à mettre cela en action. As the Sabbath is starting, alors que le sabbat commence, we're asking for a special blessing in these hours. Nous te prions pour recevoir une bénédiction spéciale durant ces heures. In Jesus' name, we thank you for this. Amen. Et dans le nom de Jésus, nous te remercions pour cela. Amen. Thank you again, Sister Tania. Definitely have everybody thinking, it seems. We'll take a break. We start back up with Sister Kathy McGraw. Donc après, c'est Cathy McGuire, mais je ne vais pas traduire Cathy. Hein. Vous l'aurez plus tard.